Et coucou tout le monde, c'est Léa et Antoine pour Hello Superette. Cette semaine, on se retrouve pour vous expliquer comment coudre un top à manches cloche. Donc c'est un petit peu le truc tendance en ce moment et c'est vraiment vraiment simple à coudre, donc on voulait vous faire une vidéo. Donc pour coudre ce top, on a utilisé du double gaz de ma petite mercerie qui nous ont gentiment envoyé. Ils nous ont envoyé environ 2 mètres de tissu si je me souviens bien. Donc le double gaz, c'est trop beau et c'est trop facile à coudre parce que c'est du coton. Ils ont plein de couleurs, allez voir sur leur site, c'est vraiment super top. On fait des gros bisous à Amélie qui a accepté de tourner avec nous dans cette vidéo. On va vous laisser son Instagram si vous voulez la suivre. C'est DaWeirdAmé, on vous laisse tout en bas dans la description. Et aussi on fait une petite parenthèse pour vous parler de Tipeee. Tipeee, si vous vous souvenez, c'est une plateforme où on peut donner de l'argent à des créateurs comme nous. On voulait faire des gros gros bisous à Alix et Sonia de nous avoir tippé sur Tipeee parce qu'on avait créé notre Tipeee un peu comme on a jeté une bouteille à la mer et du coup on n'y va pas souvent dessus et on ne reçoit pas forcément de notifications par mail et on capte pas direct quand il y a des gens qui nous donnent de l'argent sur Tipeee. Franchement ça nous fait trop trop plaisir, on a envie de pleurer presque quand il y a des gens qu'on connaît pas qui nous donnent de l'argent pour nous soutenir. Donc des gros gros merci à eux. Pendant qu'on y est, au niveau des remerciements, on remercie Kevin qui a participé à la traduction d'une vidéo et du coup on vous encourage si vous êtes bilingue à traduire nos vidéos si vous avez envie de nous soutenir. Vous n'êtes pas obligé d'en traduire une en entier, vous pouvez traduire juste une minute ou deux minutes. Si tout le monde s'y met, ce sera sans doute plus facile et plus rapide. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur Hello Superette, on est une chaîne de couture et on sort une vidéo chaque semaine, donc on vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. En attendant, on vous laisse avec le tuto. Pour réaliser ce top à manches cloches, il vous faudra environ 1m50 voire 2m de tissu et un petit top à vous qui vous va bien, pas en jersey, en coton, en viscose, en matière pas extensible. Vous vous servez de votre petit top pour découper dans votre tissu un devant et un dos. On va vous laisser des vidéos dans lesquelles on vous explique ça de manière très claire. Là, on vous le montre pas pour gagner du temps et vous faites exactement la même chose pour les manches. Si vous voulez que le côté bouffant de la manche cloche commence plus haut ou plus bas, vous pouvez ajuster la longueur de la manche à cette étape. Voilà, c'est bon, on peut la suivre. Donc du coup, si vous avez bien suivi, on doit se retrouver avec un devant, un dos et deux manches. On passe vite les étapes d'assemblage parce que si vous nous suivez, vous commencez à avoir l'habitude un petit peu du process, du comment ça se passe, quoi. Ensuite, on est venu assembler le devant et le dos endroit contre endroit au niveau des épaules, à 1 cm. Une fois que le dos et le devant sont assemblés, on vient poser le tout à plat et on fait correspondre le milieu de la manche avec la couture d'épaule et on épingle de là jusqu'aux extrémités. On passe le tout sous la machine et pour finir l'assemblage, on vient fermer les côtés en faisant correspondre les coutures au niveau des aisselles et en fermant au niveau de la manche et du côté du vêtement. Pour finir le col, on est venu poser un biais de manière tout à fait classique et on va vous laisser le lien d'une vidéo pour vous expliquer ça en détail. Et on a fait également un ourlet en bas du top et on va pouvoir se concentrer sur les manches cloches. À clash, clash, clash. Allez, on mesure le tour de bras du bas de notre manche, on plie notre tissu en deux et on découpe à partir du pli une ligne droite perpendiculaire. Ça, ce sera le haut de notre manche. On prend la mesure de notre tour de manche, on la divise par deux parce que notre tissu est plié en deux et on ajoute 10 cm pour créer des fronces et on fait une petite marque. Ensuite, en partant de cette marque, on va découper en diagonale pour rajouter du volume à la manche. Et pour la longueur, on a découpé environ 34 cm. Alors ça, il faudra voir sur vous si vous avez besoin de plus ou de moins. On fait une marque à 34 cm et on vient découper le bas de notre manche avec une légère courbe. Et on se sert de la première manche pour en découper une deuxième, exactement pareil. Allez, maintenant on va venir créer les fronces sur le haut de notre manche. Donc on va venir faire deux coutures parallèles en haut de la manche, la première à 2 mm du bord et la deuxième à 2 mm de la première. On sélectionne le point le plus large possible et on fait pas de nœud au début à la fin, sinon on pourra pas créer les fronces forcément. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre les deux fils du dessus sur un côté et faire un petit nœud et les deux fils du dessous sur l'autre côté pour faire en sorte que nos fronces ne partent pas trop en live pendant qu'on les forme. Et on vient tirer délicatement sur le tissu des deux côtés de manière à créer des petits plis donc pour que le haut de notre manche mesure la même longueur que le tour de notre bras, plus 2 cm. Donc si on avait un tour de bras de 37 cm, faut que le haut de la manche mesure 39 cm. Un calcul mental. Une fois qu'on a la bonne longueur, on vient fermer la manche sur la hauteur. On vient ouvrir la couture au fer à repasser pour des superbes finitions. Vous savez très bien que le repassage en couture, c'est ce qui fait la différence. On va pas le repéter tout le temps, hein.
et on vient enfiler l'envers de notre manche cloche sur l'endroit de notre manche. On fait correspondre les coutures et on vient épingler tout autour. Si on a bien géré les frances, on ne devrait pas avoir de problème d'embut à ce niveau-là. Et on vient coudre tout autour à 1 cm. Ensuite, on est venu surfiler notre valeur de couture pour que ce soit bien propre. On vous conseille de repasser pour que ce soit le plus parfait possible. Vous pouvez même faire une petite surpiqûre si le cœur vous en dit. Et pour finir, on est venu faire un double ourlet sur le bas de la manche. Vous faites exactement la même chose sur l'autre manche et votre top à manche cloche est complètement terminé. Regardez, on dirait un petit poisson dans l'eau. On espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a appris à coudre un petit top à manche cloche. Si vous avez kiffé, laissez-nous un petit pouce bleu, toi-même tu sais, c'est important. Si vous cliquez ici, vous pourrez apprendre à customiser un t-shirt tout bête avec 775 perles seulement. Si vous voulez faire les petites fouines et savoir ce qu'on vous prépare entre deux vidéos, vous pouvez nous suivre sur Instagram. On vous conseille encore et toujours de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Et moi Léa. Et moi Antoine. On vous fait des gros bisous. Bisous. On assume vite fait.